Salut à tous, j'ai avec moi un accessoire de chez Proportab pour N87 Mini. C'est un étui en cuir qui est un peu qui ressemble beaucoup à l'étui tradition de chez Noref, donc vous allez pouvoir les comparer en regardant ces deux tests. Alors, concrètement, comment il est fait? Donc, c'est deux parties qui sont liées ici. La base pour poser le téléphone est en plastique. Un peu mat, assez agréable au toucher et assez fin, c'est ça qui est pas mal aussi. Ici vous le voyez pas trop avec la lumière, mais il y a une sorte de velours. Bon, c'est pas réellement du velours, mais ça permet de pareiller le téléphone, le trou pour la PN, et ici voilà le trou pour le jack. Alors, donc là sur le dessus, ce qui est sympa, c'est qu'elle est un peu épaisse, un peu molle. Et surtout, il y a cette, là on la voit à travers avec le trou, il y a une plaque en alu qui fait, je crois, toute la longueur, ouais, qui fait toute la longueur et qui permet de bien protéger l'écran. Alors on va mettre le téléphone dedans, ce serait pas mal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la housse Norev, ici elle se clipse pour rester bien fixé, donc vous entendez des petits clips, clips. Je vais juste vérifier. Voilà, donc là on le voit, les petites pattes qui s'accrochent. Voilà, c'est terminé, je crois. Ok, donc une fois qu'elle est clipsée, bien sûr, elle ne bouge plus. Hein. Il n'y a pas de problème. Ce qui est bien avec cet étui-là, c'est que le clavier est complètement libre. Néanmoins, là où c'est accroché, hein, est bien accroché ici par le plastique. Mais le clavier est complètement libre, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est un petit défaut qu'il y a sur la housse Norev, qui est pas super grave, mais quand même, et qui est corrigé, enfin qui est corrigé, qui est pas présent ici sur cette housse. Donc avec cet élément-là qui est fixé au cuir. Alors je sais pas comment il est collé. Bon, vous voyez, on voit un peu le... Non, c'est pas collé, je sais pas trop. Bon, ça a l'air quand même de tenir. Hein. Voilà, donc là, quand vous avez le téléphone, les boutons sont en accès rapide ici. Donc il y avait le volume, là, il y a le bouton pour déverrouiller qui se... Pas de problème. Haut-parleur, enfin tout est libre ici. Je vais vous montrer un peu le jack après avec un exemple. Voilà, alors après ce qu'il faut savoir, c'est que comme ça se clipse, ça crée un écart que vous voyez à peu près ici entre les deux, qui est pas gênant, mais quand vous appuyez sur l'écran, vous pouvez parfois sentir des légers mouvements, mais bon, ça va, franchement, sincèrement, c'est pas un problème. Alors bon, la petite étiquette, la Proporta, oui, on sait que c'est Proporta, c'est un peu étrange d'avoir une étiquette aussi grosse sur un petit télé. Vous pourrez toujours l'enlever. Hein. Voilà, alors pour prendre une photo, moi, ce que je fais, c'est il faut tenir cette partie pour pas qu'elle passe devant, mais généralement elle passe pas, donc il faut juste le tenir comme ça. C'est pas idéal, mais ça va encore. Ok, alors, le test du jack, le voici. Parce que c'est important quand même sur un étui de pouvoir bien mettre le jack. Tac. Je vois rien et vous voyez rien non plus. Ça tombe bien. C'est pas terrible. Alors attendez un instant. Voilà. Donc là, ça se met comme ça. Donc là, ça tient. Si vous voulez l'ouvrir. Donc il y a une légère, un peu comme sur la housse Norev, hein, c'est les mêmes défauts, enfin c'est pas des défauts, mais c'est des problèmes liés au téléphone aussi, j'imagine, hein. Mais c'est que voilà, là ça passe, il y a une légère, voilà, ça gêne un petit peu, mais ça passe. Donc voilà, que dire sur cette housse, c'est une housse qui vaut 33 € et des poussières, qui est en cuir, qui a sa plaque en alu ici, qui a son système en plastique ici qui se fixe. Donc plastique veut dire aussi moins solide que le métal, mais après c'est vous qui choisissez. Et puis ma foi, voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour. Il y a un petit truc à savoir aussi, c'est que là on le voit bien ici, la zone en cuir arrière qui, comme elle se fixe là-dessus et qu'elle est un peu plus large, quand vous tenez le téléphone dans la main, bah vous avez la sensation, voilà, que le téléphone est un tout petit peu plus large, avec ça qui dépasse un peu, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, donc c'était le test de l'étui aluminium cuir de chez Proportab pour N87 Mini, et je vous dis à bientôt.